plus, c'est une erreur. Nous sommes le 5 octobre. DSK qui donne une leçon à Macron. Non mais à mourir de rire. Dire que s'il n'avait pas cassé la boîte noire, il aurait été président à la place de Poupon. Merci beaucoup Thierry. Ces ordures à pognon. C'est des reins, des reptiliens de merde. Pris pour cible, ils sont connus de la police pour trafic de stupéfiants. Des bandes rivales se sont opposées, une centaine de personnes a déferlé à la Grande Borne, la cité est en émoi. Les CRS sont arrivés avec des renforts, le calme est revenu et une personne a été interpellée. Bon, Tata est à l'hosto. Je vais peut-être y aller cet après-midi. Michel doit m'emmener en moto, mais Cécile me dit c'est pas la peine. Bon. Patrick Sauss sur place pour superbe à mortaler le périmule. Lorsque le glas s'est mis à retentir, les deux cercueils sous une morale. Ça part vraiment aux couilles. Dans l'église, au milieu d'une foule silencieuse. Il n'y a pas d'âme dans le programme. De leur solidarité, leur chagrin, c'est des 1 et des 0 qui commandent. C'est numérique sa mère. Là, il y a un truc. Très fort, bouleversant, et vous comprenez pas. Aussi, des très proches. Moi, je décortique une heure de BHL TV. Ça suffit. Après, tu dis, ouais, c'est bon. S'il y a 10% de vérité, c'est beau. Ah, les morts, ils sont bien morts. Mais qui c'est qu'à payer pour faire des morts? Garder le pouvoir. Si c'est pas un truc nouvel ordre mondial, c'est comme le contrôle de la météo, le projet ARP. Hein? Vous croyez que vous allez me niquer, là? Vous êtes fous, quoi. Mon âme n'est pas à vendre. Ça s'achète pas. Moi, je sais que j'ai une âme et je l'ai découvert tout seul. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Il manque des matières. Les deux gamines, 20 ans, 21 ans, zigouillées, là. Que la famille Moran a enterré la jeune étudiante de 20 ans dans le petit cimetière communal. Putain de merde. De Laura. Elle est acheminée en ce moment. Elle a de cabuter tout le monde au Texas, non? Mais ça va être de pire en pire, de plus en plus. Vous avez 20 ans, c'est votre reportage grand temps consacré. Les gens, vous les rendez fous par pollution électromagnétique. Et vous le savez. Et le macro qui dit « Allez, feignant, on va bosser, la France a besoin de toi. » Mais si tout le monde arrête de payer en même temps, vous allez être bien dans la merde. C'est vrai que je grève planétaire. On efface tout, on recommence. On reformate les disques moules. Les impôts, les PV, les machins. Que tout le monde arrête de payer, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils seront pas assez nombreux. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ces ordures du pouvoir, ce Big Machiavel. Mais enfin, Seigneur, on va l'inverser. Finalement, pourquoi imposer les pauvres? Les riches sont beaucoup moins nombreux, ça ira plus vite. Ah, peut-être Michel.